Il y a une tirade qui se fait pour le dos et d'aller remettre la barre au sol comme un paddling rowing. OK? Très consistant comme exercice. Un de mes top 3 à vie pour le building mass. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, bon, il y a le fameux soulevé de terre. Moi, je le pratique pas tout le temps parce que je vous dirais qu'avec les années, à un moment donné, mon ossature me crie un peu. Donc, mais j'aime bien le pratiquer dans sa version sumo. C'est vraiment là que je le préfère. OK? Pour les jambes, évidemment, impensable de passer à côté du hack squat. L'accroupissement hack, qui même au début des années 50 était répertorié comme l'exercice ultime de développement au niveau des vastes internes. Et je suis encore très d'accord avec ça. Hier, d'ailleurs, j'étais au Mega Gym de Québec sur l'avenue Saint-Jean-Baptiste avec mon training partner Robin Gonzalez. SP, on s'entraînait là-bas et on a fait du hack squat, justement, style Tom Platz avec les talons rapprochés, les orteils à l'extérieur, style Ducky Feet. C'est fantastique le travail que ça donne, le ballon au niveau de la cuisse, le remplissage intérieur. Mucho, vraiment, j'aime beaucoup cet exercice-là. T'sais, vous avez un bon contrôle, puis vous pouvez construire du sérieux dans vos jambes avec ça. Okay? Le front squat, bien plus que le squat. Bien plus que le squat. Le front squat, les érecteurs de dos, le corps, il n'y a pas plus physique. Le step-up barbell, moi j'aime bien le travailler à partir d'un box en métal. Il peut être en bois, monsieur le régisseur. Ben oui, tant qu'on est en hauteur. Bon, excusez-moi pour le détail, bon. C'est ça. Un petit café, c'est bon, parfait, OK. Donc, quand on le fait comme ça, le step-up, moi, ce que je fais, c'est que j'ai la barre sur moi, je monte sur mon bloc, OK, et je vais porter ma jambe lentement en arrière au sol. Et quand la jambe arrière touche le sol, ma jambe est restée, l'autre jambe, exemple, ma gauche est restée sur le bloc et ma droite s'en va en arrière. Ma droite s'en va en arrière, touche le sol. Je plie la jambe droite en arrière au maximum pour que le biceps de cuisse touche pratiquement le mollet et que l'abdomen et le pectoral se rapprochent le plus proche possible au niveau de la jambe, la gauche qui est restée sur le bloc. OK? Et ensuite, de ça, on pousse pour remonter. Très cardiovasculaire, très physique. Pardonnez-moi. OK. Moi, j'aime bien ce genre d'exercice-là. Très, très cardiovasculaire. J'aime les exercices qui viennent faire travailler le cœur beaucoup. C'est important. Faut que le moteur du corps tourne. OK? Suite à ça, j'ai le leg press low feet and ducky. Je m'inspire beaucoup de Tom Platz. J'aime bien le type de méthode que ce gars-là avait développé. Des positionnements, des fois, qui nous semblent irrationnels au niveau des jambes. Par contre, d'un autre côté, je vous dirais que quand vous expérimentez l'ensemble de ces mouvements, mon Dieu, c'est souvent très surprenant comment c'est confortable. Et c'est naturel de travailler comme ça. OK? La majorité... Pendant plusieurs années, on est parti avec différents types de moules et de structures dans lesquelles on s'est dit, ben c'est comme ça que ça se fait. OK. Arnold Schwarzenegger avait 6 règles de base. Il y en a une là-dedans qui dit « You break some rules ». OK? Puis ça, je suis d'accord avec ça. Parce que moi, quand tout le monde a pris la trail là-bas, moi, je suis parti puis j'ai fait ma trail à moi. Ah, je me suis trompé, je me suis perdu. Ouais, mais je me suis ramassé à plus haut puis plus loin. OK? Que ceux qui ont continué à faire les mêmes affaires que tout le monde a toujours faites. Moi, faire comme tout le monde, tout le temps, tout partout pareil, moi, je suis pas capable. OK? J'aime pas ça. Moi, j'aime faire on my way. OK? À mi maniera. Moi, j'aime ça faire ça comme moi, je pense qu'il faut que je le fasse. Puis si je me trompe puis je recommencerai. Mais j'endosserai pas l'erreur de quelqu'un qui pensait bien faire puis que là, c'est moi qui ai l'air du clown. OK? Ça, j'ai bien de la misère avec ça. OK? Le fruit de mes efforts ne sert pas d'évaluation aux autres. OK? C'est bien important. Hein? Tu sais, il y a du monde, ils te font essayer un paquet d'affaires puis ils prennent des notes. C'est toi le cobaye. Non, non. C'est comme je dis souvent à tous les gars que j'entraîne. Même toutes les femmes. Le testeur, c'est pas toi. C'est moi. OK? Inquiète-toi pas. Si je te le donne, c'est parce que ça a été essayé. OK? Suite à ça. OK. On est capable de voir aussi en même temps, je vous dirais, pour la jambe. OK? Le lying, le curl au dumbbell. Ça, c'est un classique. Vous irez voir sur le site. Tous les exercices sont là, soit dit en passant. OK? Ensuite de ça, on a le standing, le curl debout. Le curl debout, tant qu'à moi, est vraiment le plus prenant. OK? Vraiment, pour être capable d'aller construire comme il faut, moi, je l'aime bien. OK? Puis, vous avez évidemment le fameux classique. Il y a bien des gens qui le connaissent pas. OK? Vous avez tout simplement, on a le walking barbell lunge, que moi, je considère qui est très bien, soit dit en passant, faire des pas marchés à la barre. OK? Puis, si je regarde, attendez un peu, il faut que je sois sûr dans mon affaire. Oui, effectivement. Vous avez un exercice. Oui, je pense que je l'ai mis dans mes vantages plus bas. Je vais vous revenir avec ça. OK? Et évidemment, le squat. Bon, le squat, pour ceux que c'est confortable, pour ceux que ça se fait bien. Puis, il y a différentes variations au squat. Donc, n'hésitez pas à trouver le positionnement qui vous correspond. Et sachez que dans tous les exercices que vous allez pratiquer, il y a des gens qui sont mieux dessinés que d'autres. Il y a des gens qui ne sont pas dessinés pour faire du squat. Point. OK?
Il y a des gens qui ne sont pas destinés pour faire le bench press. Il y a des gens qui ne sont pas destinés pour faire le deadlift. C'est fait comme ça. OK, ouais, mais on nous a dit que c'est bon. Tu n'es pas destiné pour ça. Bon, le gars qui fait 6 pieds 6, 185 livres, puis qui a tout en jambes, puis il y a un haut de corps qui est très, très court, tu ne le feras pas deadlifter. Hey, wouing, tu vas te ramasser avec une vertèbre dans le mur, là, direct, là, oublie ça, là. Puis si tu le fais squatter, il va descendre, puis là, il est mort, fini. OK? Il n'est pas fait pour ça. Ça prend des leviers courts, trapus, plus larges, etc. C'est des emboîtements particuliers. Il faut adapter son entraînement à sa physionomie. On en a déjà parlé, d'ailleurs, des endomorphes, des ectomorphes, des endos, des ectos, puis voyons, le mésomorphe. Voilà, merci. Voilà, exact. Bon. Donc, du moins, on continue. Pour les épaules, le classique, le développé arrière à la barre, le seated barbell press to back. OK, front aussi en même temps, j'aime bien. OK. J'ai le Patterson press en avant, en arrière, en avant, en arrière. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui m'a corrigé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me dire, Monsieur Grondin, je pense que le Patterson, ce que vous me parlez, c'est ça, je m'en rappelle. Merci à cet auditeur-là. Merci beaucoup. On appelle ça le Bradford press. OK. La foule est en liesse. C'est le standing ovation. Merci. Bon, c'est bon, je l'ai retrouvé, super content. C'est effectivement, oui, merci beaucoup à l'auditeur du show du pro qui m'a corrigé. Moi, coach Grondin, merci. Toujours avide de savoir. Ah, oui, effectivement. Moi, j'appelais ça un Patterson press, mais oui, c'est un Bradford press. C'est vraiment ça. OK, alors le Bradford press, c'est vraiment le déplacement de la charge d'en avant en arrière en contournant la tête. OK, comme si on avait une espèce de dessin de fer à cheval où si je me mets une tuque, je l'enlève. Je me mets ma tuque, je l'enlève. Ben oui, monsieur le régisseur, il n'y a pas personne qui se déshabille en s'entraînant. C'est pas ça le sujet, c'est un exemple. Oui, un casque de bain, n'importe quoi, on peut. C'est ça, peu importe le chapeau, c'est juste. C'est un exemple. Bon, c'est un exemple. Yes. Finissez votre sandwich, là. OK, c'est bon, là? OK, parfait. Oui, c'est ça. Ben, il en reste là. C'est bon, OK. Non, mais c'est parce que là, il y a. OK. Donc, pour les épaules, on continue. Alors, ensuite de ça, on a. OK. Moi, en ce qui me concerne, pour moi, un training d'épaule, vous avez facilement le tiers, si ce n'est pas la moitié du plan d'entraînement qui se passe en arrière. Le derrière des épaules, à côté. À côté. S'il y a un groupe musculaire qui doit être développé, c'est celui-là. OK? Même, je vous dirais, au dire d'un des entraîneurs que j'ai déjà eu, Roberto Sabatini. Roberto, c'est un gars qui travaillait beaucoup dans le derrière des épaules, mais pas à peu près, là. Puis, j'ai vraiment compris pourquoi. Parce que le look que ça donne quand vous arrivez en avant au niveau du remplissage, le double bicep arrière, le relax de côté, la pose de triceps, tout ça va faire en sorte que, même, je vous dirais, le side chest, la pose de poitrine, vous allez vraiment remarquer que le derrière d'épaule joue un rôle clé. Parce que souvent, c'est pas dur d'aller chercher le capsulaire en avant le plus possible puis la tête médiale. Mais 90% des gars que tu regardes, ils ont tout en avant, puis en arrière, là, c'est. Y a rien. Hein? T'sais, on dirait le viaduc du frein, le clic, salut, il se passe rien, OK? Tu fais pas tes devoirs? Quoi qui se passe là? Bon, puis si vous n'avez pas de derrière d'épaule, ben votre bench, vous avez de la misère à le monter, puis vos curls, vous avez de la misère à y monter. OK? Il n'y a pas de groupes musculaires qui ne sont pas importants dans un petit body, OK? Donc, le derrière des épaules, mucho, OK? T'sais, si vous faites 20-25 sets d'épaule, ben il s'en prend au moins 10 en arrière, OK? Lâchez-moi les élévations comme ça pendant une heure. Là, c'est pas compliqué. Vous voulez remplir une épaule, c'est pousser. OK, à la barre, aux haltères, etc. C'est ça que ça prend. OK? Ça fait toute l'épaule. Après ça, on va aller chercher des exercices alternatifs qui vont venir cibler un peu plus le deltoïde frontal, le médial et en arrière. OK? Suite à ça, on est capable de dire, exemple, mettons, oui, moi, un exercice que j'aime bien, le press en marteau avec une rotation en haut. OK? C'est bien important, les haltères touchent les épaules. Hein? T'es jambou des tatas ici, là, avec des sangs comme ça, là. OK, finalement, le mouvement, il n'y en a pas de mouvement, là. T'sais, finalement, là, je veux dire, t'es part de l'oreille, il s'en va là. T'sais, n'est pas lequel pas bon va arriver à ça. OK, prends-le, viens de l'accoter dans ton épaule, boum, et reviens à l'épaule, OK? Il t'en fait pas un, OK? C'est comme les gars que je vois faire du barbell press back. T'sais, tu regardes ça, puis tu sais même pas ce qu'il fait. Tu sais, gratuit ça à la tête, c'est quoi qui se passe? OK? Tu te le demandes vraiment, là. Puis là, il en met, là. Là, il est content. Tu veux, man, c'est deux plaques. OK? Ben moi, je te regarde, puis t'as la shape de tes mouvements. Hein? Tu fais tout à moitié, t'es shape à moitié. C'est ça. La qualité d'exécution de ce que vous faites, misez là-dessus. Bon, puis je le sais, on a tous été pareils, puis moi, je suis un gars, puis je suis orgueilleux, puis j'ai de la testostérone, puis j'aime ça mettre des gros poids, puis c'est pas pour impressionner personne, c'est pour m'impressionner, parce que je suis un homme, je suis un garçon. Donc, je vous dirais, là-dessus, les hommes, on est tous pareils, mais à un certain âge, on atteint l'âge de ce qu'on appelle le « wisdom ».
la sagesse. OK? Puis des fois, à concurrence de 5-10 livres de plus, on sait qu'on ne sera pas plus gros à la fin de l'année. Fait qu'on n'est pas assez fêlé pour y aller. Mais quand on est jeune, même quand ça tire, même quand ça pince, même quand ça chauffe, même quand c'est en train de déchirer, je vais l'avoir! Bon, puis c'est ça, puis là, tu te blesses. C'est ça. OK. En tout cas, du moins, pensez toujours que c'est dans la qualité que vous allez le retrouver, non pas nécessairement. Le culturiste dessine son corps. OK? Le powerlifter évalue sa capacité de sa force au lever qu'il fait. Et le strongman à la difficulté des épreuves qu'il fait dans le temps où il les fait. OK? On a-tu trois départements différents? OK. Moi, je me considère une espèce de mélange. Moi, je suis un breed entre le powerlifting puis le bodybuilding. Moi, je me plais à me dire que je suis un power builder. OK? Moi, j'aime m'entraîner très lourd, très fort, très intensément. OK? Moi, je m'en viens pas au gym juste pour m'aduler, là. Tu sais, ou bien lever des petits poids, là, juste pour regarder après ce que ça fait, là, puis ah oui, je suis beau. Non, là, je me fous de ça. Je veux me dépasser. Okay? Puis si je sors de la salle puis je me suis pas dépassé, je sais pas, cette satisfaction-là n'est pas là. OK? Tandis qu'il y en a d'autres, eux autres, là, je veux dire, ils font une petite pompe, là. Puis là, ils partent, ils vont se promener, là, puis ils sont contents, là. Bien, je suis bien content pour vous autres. Dans le fond, on m'a dit, comme un de mes clients, M. Spence, c'est ce qui est important, OK, c'est qu'ils soient contents. Bon, hein? On m'a dit, comme Dan Bérubé, t'as le droit au bonheur. Hein? Bien, c'est ça. Fait que si ça te rend heureux, bien, tant mieux. Hein? Bon. Salut Dan, soit dit en passant de chez XPN. Salut tout le monde chez XPN. OK. Donc, on continue tranquillement. Je vous dirais pour les épaules, oui, effectivement, oui, le V-front élévation. J'aime bien les élévations frontales légèrement en V un petit peu plus haut pour aller chercher plus de contraction. Je trouve ça très bien. OK. Ensuite de ça, je vous dirais, vous avez, oui, OK, vous avez le trap, le trap shrug directement avec la barre. OK. Ça, je vous dirais, ça, ce sont des exercices et le fameux Arnold Press. Le shrug à la barre ou aux haltères sont des exercices qui sont parfois mal utilisés. S'il y a quelque chose qui construit de la masse maigre dans votre corps, c'est effectivement bien les shrugs au barbel, OK? Parce que tout le corps just involve in the whole process, OK? Tout le corps travaille, tout. Moi, quand je fais un gros barbel comme celui-là pour faire le trapèze, le lendemain, les vastes internes, les mollets, la gaine, les érecteurs de dos, le triceps, OK? Trapèze surtout, effectivement. Oui, ça a tiré ses biceps partout. OK? Ne négligez pas cet exercice-là. Il y en a qui disent, bon, c'est juste pour les trapèzes. C'est faux. Il est aussi payant que le bench press, que le front squat, que le bent over barbell, que le standing kibaro. Ce sont des exercices de base. T'sais, faites-vous un gros training de dos là, pour être bien à côté dans le lat. Puis après ça, allez vous faire un shrug barbell. Là. Vous me direz, bon, si le lat, il ne se remplit pas encore. C'est surprenant. OK? Très surprenant. Puis ça fait partie du design, dans le trapèze dans le dos, derrière l'épaule dans le dos. C'est très complexe. Un dos fait qu'il ne faut pas avoir peur de mettre les bouchées doubles. OK, bien important. OK? Pour le triceps, mon meilleur, c'est le dip behind the back, entre deux bancs, avec un poids sous moi, un partenaire, quelqu'un qui pousse. Bon, name it, là. Moi, j'aime bien celui-là. Puis il est accessible à tout le monde, c'est ce que j'aime bien. Dans toutes les mécaniques que vous pouvez absorber, tout le monde peut le faire, celui-là. Il est très payant. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, vous avez les dip machines, vous avez les push-down, les lying, OK, à la barre, au dumbbell, légèrement décliné, légèrement. Il y en a que j'arrive dans un gym, ils sont rendus comme ça. Là, là on n'est pas là pour contrer l'inertie de la masse. On n'est pas à NASA ici. OK, bon, c'est tout simplement ce qu'on veut. C'est qu'en position déclinée, la première chose qui arrive, c'est que quand vous prenez la barre, clic, le premier muscle qui s'implique dans le mouvement, c'est le triceps, c'est lui qui le retient. Donc, vous le sensibilisez. Légèrement décliné, si vous voulez que je sois peut-être un petit peu plus précis, selon Robert Sabatini, un légèrement décliné devrait représenter 15 à 18 degrés. Pas obligé de sortir le compo, là, mais tu sais, bon, c'est pour vous donner une idée comment est-ce qu'on peut être un petit peu plus aigu. Et Vin Gironda, dans les années 40-50, pensait exactement la même chose. Légèrement incliné ou légèrement décliné, beaucoup moins difficile aux épaules, cible beaucoup mieux le muscle, OK? Suite de ça, je vous dirais, vous avez le fameux close grip, soit à la barre en Z, soit à la machine, soit au bench press, OK? Le French press au câble ou à l'haltère. Moi, j'aime bien comme on le faisait avec le Vizinator il y a environ 2 semaines. Salut, mon chum Vez. Donc, quand on est bien appuyé, puis la poulie est en arrière de nous autres, on va vraiment le chercher en extension, on va vraiment le pousser en ligne droite et quand on arrive en haut, on essaye de l'ouvrir au maximum. OK, c'est là vraiment qu'il y a une pression qui se fait beaucoup mieux à l'intérieur du muscle. Rappelez-vous que vous faites un dessin.
OK? Donc, choisissez les outils en conséquence. OK? OK? Suite à ça, on regarde, on a, ça c'est mon préféré. Yes. Le rope pull on cradle bench. OK? Vous l'avez sur mon site. Quand on est à genoux avec un appui, la poulie au-dessus de nous autres. Vous avez sûrement déjà vu ça. Tu sais, la personne est debout, la poulie est en haut, il prend le câble avec lui. Et là, il va aller faire une traction pour le triceps. Moi, sérieux, ça m'a jamais rien fait. Zéro. Quand tu dis zéro, là, je pourrais en faire pendant 4 heures, il se passe fuck all. OK? C'est pas parce que j'ai pas essayé, là. Bon. Mais c'est parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, c'est des leviers qui sont plutôt durs à sensibiliser pour moi parce que je suis plus fort du pectoral puis du dos. OK? Donc, si je veux isoler mon bras, il faut que je m'appuie. C'est pour ça, exemple, que le Scott, le Preacher, pour moi, c'est parfait parce que je suis en isolation avec mon levier. C'est le même principe pour le rope pull on cradle bench. On appuie nos coudes pour aller faire une traction vers en avant pour pousser et tirer. C'est vraiment fantastique et ça isole très bien le muscle, soit dit en passant. On a développé une petite technique intéressante avec le Vezinator sur une technique du 1,5. Pousser à moitié avec les mains collées, rester 1 à 2 secondes, revenir extensionner complètement. Série de 12 à 20, ça vous chauffe 4 parts. OK, sérieux, ça fait bien. OK? Donc, suite à ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, pour le bicep, le curl debout à la barre. Bon, barre en Z, barre olympique. J'adore la barre olympique. Je trouve ça brutal un peu. T'sais, tu pars avec ta barre olympique, là. Il me semble que le feeling est bon. C'est une barre qui est relativement longue. Ça prend une bonne stabilisation. C'est exigeant. J'aime bien ça. OK? Le curl assis en alternance. Mon Dieu, quel mouvement fantastique. Il est de base. OK? Le mouvement où est-ce qu'on est face au banc en inclinaison, soit avec des haltères, soit avec une barre. Moi, j'ai vu Boyer Co., entre autres, performer ce mouvement-là dans différents livres. Ça fait des belles jobs, sérieusement. On ne peut pas tricher, donc ça isole beaucoup. OK? Évidemment, le fameux banc Scott. Alors, tous les mouvements aux haltères, au bord, large, serré, prise droite, bon, peu importe quoi, bord droite, bord en Z, tout ça au banc Scott, c'est très, très bien, au Preacher. OK? Et on travaille surtout, nous autres, souvent aussi au niveau du brachialis avec le Vezinator puis Jip. OK? On va travailler souvent, exemple, avec une prise, avec une barre qui est comme une barre en H, relativement rapprochée pour être capable d'aller optimiser le plus possible la contraction. Donc,